Bon les amis, je crois qu'il est important que je rappelle une vérité que beaucoup savent déjà, mais que certains ont encore du mal à entendre. Le Maroc n'est plus une destination low cost. La seule chose que vous pouvez encore avoir low cost pour le Maroc, c'est vos billets Ryanair et encore. Il faut arriver à comprendre que le Maroc 2023, ce n'est plus le Maroc des années 2000. C'est un Maroc qui, alhamdoulilah, a progressé, a évolué dans ses infrastructures, dans son offre touristique. C'est un pays qui est comparable à des pays européens très touristiques comme l'Espagne ou le Portugal. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les opérateurs ici sur place l'ont compris et n'hésitent pas à gonfler leurs prix, surtout l'été. Pour les gens qui sont venus au Maroc cet été, vous avez pu le remarquer, tout a augmenté. Et le pire dans tout ça, c'est que tout est plein. Tu vas dans un restaurant où tu as des petits déjeuners à 10 euros par personne, et ben c'est plein. Tu dois attendre minimum un quart d'heure, 20 minutes pour être servi. Tu cherches à louer un appartement dans une grande ville ou dans une station balnéaire, c'est minimum 100 euros par nuit et tout est complet. Pareil pour les locations de voitures. Tu veux louer un véhicule ici au Maroc au mois de juillet ou au mois d'août, c'est minimum 50 euros la journée et tout est complet. Donc ça veut dire que clairement les gens ont les moyens et acceptent les tarifs qu'on leur propose. Et du coup les opérateurs ils vont pas se gêner, ils n'hésitent pas à augmenter leur prix d'année en année. Et c'est pareil dans tous les secteurs d'activité. Tu vois par exemple si tu veux aller faire du jet ski ici au Maroc, c'est minimum 120 euros de l'heure, 60 euros la demi-heure. Je trouve ça excessivement cher. Tu veux louer un appartement dans un complexe résidentiel, par exemple à Cabo Negro, j'ai voulu y aller, c'est minimum 200 euros la nuit dans un appartement moderne avec piscine. Je trouve que c'est exagéré, mais c'est comme ça, c'est l'offre et la demande et du coup, tous les opérateurs en profitent. Alors la solution, c'est quoi? Parce que j'en vois plein se plaindre sur les réseaux sociaux et malheureusement, ça fait pas avancer les choses. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est de venir hors saison. Et là, vous verrez que les tarifs seront clairement plus abordables. Ceux qui ont la possibilité de venir au mois de septembre, octobre, vous verrez que les locations de voitures, elles redescendent à 30 euros, à 25 euros, à 20 euros la journée au mois d'octobre. Pareil pour les locations d'appartements, ça redescend à 50, 60 euros. Des tarifs beaucoup plus raisonnables. Mais si tu viens ici l'été, il y a du monde. Et forcément, quand tu vois du monde, les tarifs augmentent. Et c'est partout pareil dans le monde.